Coucou les loulous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite activité manuelle des petits papillons en origami, comme ceci. C'est parti! Alors, pour réaliser cette activité, il te faudra une feuille blanche, ainsi qu'une paire de ciseaux. Pour commencer, on va réaliser un carré dans notre petite feuille A4. Pour ce faire, tu vas prendre le coin de ta feuille que tu vas ramener jusqu'où tu veux. On va plier. Et là, on va découper tout le long, ce qui nous donnera un carré. Une fois que tu as découpé et que tu déplies ton petit triangle, tu obtiens un carré. On va marquer le pli dans l'autre sens. Donc je prends le point là et je le ramène vers le haut. Après, je redéplie et cette fois, je ramène les deux coins du bas vers les deux coins du haut. Je rouvre encore une fois. Je tourne ma feuille et cette fois, je ramène les coins du haut vers du bas vers le haut. Et maintenant, quand on ouvre, ça nous fait comme une étoile. Maintenant, on va plier notre feuille. Alors, on va ramener comme ceci. Bon, tourner, ce sera plus simple. Et comme ça. Voilà. On fait pareil de l'autre côté. Donc, je rentre mon pli à l'intérieur. Et voilà. Donc ça nous donne un triangle qu'on peut rouvrir. Ok ? Ce triangle, on va le plier encore une fois sur lui-même. Maintenant, je prends ma paire de ciseaux et on va venir découper le coin ici. Qui nous fera l'aile arrondie de notre papillon. Alors bien évidemment, le papillon on peut le faire soit dans une feuille blanche ou soit dans une feuille de couleur, mais attention, pas trop épaisse. Une fois que j'ai découpé, je vais rouvrir. Et là, on va plier. Je prends une seule partie, comme ça. Je la ramène vers le milieu. Et je fais la même chose de l'autre côté. On obtient quelque chose comme ceci. Et maintenant, on va prendre la petite pointe de derrière. Et je vais vous montrer comme ça. Hop. Et on va la ramener vers le devant. On obtient ça. Et là, on va plier ce petit triangle. Et une fois qu'on a ça, on va tout simplement plier en deux. Et voilà, notre papillon. Fini.
J'espère que cette activité vous aura plu et j'ai hâte de voir vos réalisations. À bientôt !